Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir vos énergies de cette fin de semaine, de ce vendredi, samedi et dimanche. Allez, c'est parti, on va découvrir vos cartes ensemble. Ah, j'ai besoin d'aller là. Regardez, la transformation, ça c'est très positif. Quoi que vous espérez, quoi que vous souhaitiez, ici on vous dit qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous avec la carte de la transformation et la carte ici de l'été où on nous parle effectivement d'épanouissement et de bonheur. On a la carte du chat. Ouh, un vent de liberté pour vous, amis taureaux. On se sent bien, on se sent libre. Allez, les émotions ici, ça circule, c'est fluide, c'est sympa. Oh, le sanctuaire. Alors, avec le sanctuaire, on voit ici que vous allez... Oh, le sanctuaire et le chat, hein. On voit ici que vous allez vous accorder des instants à vous et rien qu'à vous. Vous allez, pour certains ou certaines d'entre vous, vous isoler volontairement. Avec le message ici, bah, y a quand même, malgré des instants rien qu'à vous et pour vous, il y a quand même un week-end qui s'annonce ici avec de la communication. On communique, peut-être même que l'on fait passer tout simplement le message, qu'on a envie d'être un petit peu tranquille. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de souhaité, c'est quelque chose d'agréable. Et ce message ou cette communication, quelle qu'elle soit, j'ai l'impression qu'elle va être comprise et entendue. Avec l'eau, on est vraiment ici sur quelque chose qui circule correctement, hein. L'eau, c'est... ce sont les émotions, ce sont des émotions ici que l'on gère correctement. Avec le sanctuaire, effectivement, et le bonheur, on gère tellement bien ces émotions qu'on est capable de mettre des mots également sur ce qu'on, sur ce qu'on ressent, excusez-moi. Et c'est ce qui permet aussi de pouvoir avoir une communication fluide et agréable. Une communication comprise de tout le monde, aussi bien de celui qui émet, hein, de celui qui fait passer le message, que de celui qui le reçoit. Donc c'est vraiment très 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 beau pour vous, amis taureaux, hein, pour ce vendredi, samedi, dimanche, de très très belles énergies. De toute façon, c'est vrai qu'on a commencé le tirage avec la carte de la transformation, suivi de l'été, donc il y a vraiment ici quelque chose de l'ordre de l'amélioration. Hein, dans ce que vous pourriez vivre ce week-end, quoi que vous viviez actuellement, sachez qu'il y a vraiment cette transformation positive qui arrive pour vous. Allez, un changement également côté pro, avec la cigogne, on a ici une montagne. On a le parapluie. On lâche prise sur, sur les soucis, on lâche prise sur les retards, on lâche prise sur les blocages. Effectivement, heureusement qu'on lâche prise parce que j'ai l'impression que côté pro, il y a quand même quelque chose un petit peu difficile ici avec la croix. Par contre, oui, c'est difficile. Il y a un retard, il y a un blocage, effectivement. Mais on a ici un homme. Alors, que vous soyez une femme ou un homme, c'est vous. C'est votre polarité masculine qui s'exprime ici dans l'action. C'est ici une énergie forte de ses expériences, courageuse. Et c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un ici qui se dirige de manière ciblée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et où il va. Regardez, ici on a l'anneau. L'anneau, c'est un oracle le normand. Dans un oracle le normand, l'anneau, c'est le oui à une réponse, à une interrogation, à ce que vous souhaitez. Également, c'est aussi l'union, le partenariat, l'engagement. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, c'est une
un changement positif qui s'annonce pour vous. La cigogne annonce effectivement ce oui, elle annonce ce changement sur cette difficulté, elle annonce la possibilité ici de pouvoir se diriger correctement dans ces turbulences et d'aller vers ce que l'on souhaite. Donc effectivement, il y a des moments où vous pourriez être un petit peu embêté, un petit peu chagriné, mais quoi qu'il en soit, le dénouement est vraiment ici positif. Allez, on va aller voir côté cœur à présent. Côté cœur, on a ici la carte du lien, la carte de l'image et la carte des anneaux. Ouh, ici, j'ai l'impression qu'on vous dit d'aller au-delà des apparences. Qu'en apparence, peut-être qu'il y a seulement de l'attachement, mais avec les anneaux, on sent que cet attachement, il est vraiment beaucoup plus profond, beaucoup plus fort. Il y a de l'attachement, certes, mais il y a aussi de l'engagement ici. La surprise, des demandes en mariage, peut-être ici, pour certains ou certaines d'entre vous. Ah, effectivement, la surprise, le message, les anneaux, le lien, moi, pour moi, ici, on passe à quelque chose de beaucoup plus fort. Alors, ça peut être une demande en mariage, ça peut être des fiançailles, effectivement, ça peut être le fait de vouloir un enfant, de fonder une famille, de vouloir déménager, de vouloir emménager ensemble. Il y a quelque chose ici, pour vous, amis taureaux, qui amène vraiment un engagement beaucoup plus sincère, durable et profond dans ce que vous vivez actuellement. On a la trilogie. La trilogie, c'est l'équilibre dans le couple. C'est le toi, le moi et le nous. Donc, effectivement, ici, il y a vraiment quelque chose. Est-ce que aussi on se réengage en quelque sorte? Parce qu'on voit qu'il y a une amélioration quand même d'un point de vue général, qu'il y a de la communication. Est-ce qu'on se réengage aussi? Est-ce que finalement, on a envie d'aller plus loin? On a envie de continuer? On a envie de se réconcilier? En tout cas, ici, c'est vraiment de très très belles énergies qui tentent à aller vers quelque chose de très agréable avec beaucoup de communication, de dialogue et quelque chose vraiment de très très fluide, de joyeux et d'heureux et surtout dans ce respect, dans cet équilibre, pardon, beaucoup de respect et ça c'est vraiment super et très important en plus. Donc voilà, pour vous, je vous souhaite un excellent vendredi, samedi et dimanche et je vous dis à très bientôt.